Tout finit toujours par se savoir. Nous sommes dans une société médiatique qui fait qu'un jour ou l'autre, c'est sur la place publique. Donc je ne comprends pas que des dirigeants politiques qui exercent des responsabilités éminentes ne comprennent pas ça. Alors, c'est une excellente, merci beaucoup Amandine, c'est une excellente transition pour notre séquence maintenant avec Damien Mascret, qui est notre spécialiste santé. Damien, il y a deux questions. D'abord, ce qu'on vient de voir l'extrait là, on se demande si on n'est pas face à un cas de schizophrénie. Et deuxième chose, lorsque Thomas Thévenoud évoque la phobie administrative, alors ça fait sourire ou rire même tout le monde, mais c'est quoi? C'est une vraie pathologie? La phobie administrative, ça existe? Il y a un traitement Non, c'est une fausse maladie, mais c'est un vrai phénomène, une vraie réalité. C'est-à-dire qu'on peut non pas souffrir d'une peur irrationnelle de l'administration qui conduit à des angoisses, ce qui est le mécanisme de la phobie, mais on peut par contre avoir des problèmes avec le principe de réalité, c'est-à-dire avec ses obligations. On est tous obligés de faire des choses. Certains, dans les formes mineures, vont procrastiner, c'est-à-dire repousser au dernier moment ce qui est une obligation. Il n'y a qu'à voir pour la déclaration d'impôt, par exemple. D'autres vont encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à payer des amendes, à payer des taxes supplémentaires, à avoir des conséquences négatives de leur acte, simplement parce qu'ils refusent de se soumettre à ce principe de réalité. Donc c'est un vrai phénomène. Donc c'est un phénomène. C'est générationnel? Il a 40 ans, Thomas Thévenoud, ça touche tout le monde? Non, ça touche tout le monde. C'est vraiment banal. On découvre que Thévenoud est un homme normal. Et il faut arrêter de penser que les politiques sont des hommes différents des autres. Maintenant, ça ne veut pas dire que son comportement privé, car encore une fois, c'est une affaire d'abord privée, retentit sur sa façon de se comporter. C'est peut-être un excellent gestionnaire, par exemple, avec les deniers publics. Oui, mais là, par exemple, quand on le voit dire, donc ça, c'est ma deuxième question, quand on le voit dire à la télévision il y a quelques semaines, il faut avoir un comportement exemplaire, on est toujours rattrapé, etc. Là, on se dit... Il y a un problème quand même. Alors, il le sait mieux que personne. C'est-à-dire que très souvent, les gens, quand ils ont ce genre de comportement, ont envie d'être autrement. C'est-à-dire, aimeraient bien pouvoir faire comme tout le monde, payer ses impôts au moment où ils les reçoivent, payer ses amendes quand ils les reçoivent. Mais c'est difficile à faire. Donc là, le Thévenoud qu'on a entendu, c'était un petit peu son idéal du mois. C'est-à-dire de dire, voilà ce que j'aimerais être. J'aimerais me comporter de façon rationnelle, savoir que je sais que tout le monde saura tout finira par se savoir, mais il sait très bien au fond de lui-même qu'il n'y arrive pas. Marie ? Oui, juste, je me demandais, est-ce qu'il est possible que dans son fort intérieur, Thévenoud minore ses actes, pensant que c'est pas si important que ça ? Je dis ça parce que je trouve que le titre, je m'en prends plein la gueule, comme si c'était une volée de bois vert, comme si c'était pas mérité. Est-ce que ça confirmerait pas cette hypothèse-là ? C'est pas si grave. Damien, qu'est-ce que vous en pensez ? Tout à fait, c'est vrai que pour lui, c'est une affaire privée au sens de toute façon, c'est moi qui paierai les conséquences de mes actes. Donc, à la limite, ça ne regarde personne. Et surtout, pour des gens qui ont beaucoup de responsabilités, qui ont une activité importante, de penser qu'il faut passer du temps, consacrer de l'énergie à ça, ça leur paraît tellement mineur par rapport aux responsabilités qu'ils ont, que voilà, ils peuvent arriver à cet extrême s'ils n'ont pas eu la prudence, la précaution qu'ont beaucoup de déléguer ce genre d'activité. Il y a une dernière question, ça se passe quand même comme ça dans beaucoup de couples, c'est qu'il y a toujours un des deux quand même qui s'occupe des responsabilités administratives. Non, c'est étonnant. En principe, on délègue, voilà, en principe, on s'organise, quoi. Mais parfois, comme ça, ça vous rappelle que vous n'êtes pas parfait. Personne n'est parfait. Ça vous rappelle tellement que vous n'êtes pas parfait que si sa partenaire lui dit « Tu veux que je m'en occupe ?», il peut aussi être tenté de dire « Non, je m'en occupe. Ce sont mes amendes, ce sont mes impôts, ce sont mes trucs. » Et bien sûr, il ne le fait pas. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut progresser sur cet aspect-là des choses? Vous allez voir un psychologue qui va vous aider. Il y a des techniques comportementales. Là, pour le coup, on a des possibilités de résoudre ce problème. Il y a une autre option, c'est qu'on démissionne de l'Assemblée nationale. C'est un, et qu'on n'accepte pas un poste. C'est un traitement de cheval, quand même. Et puis, on peut dire non aussi. Merci beaucoup, Damien.